Bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus et à vous abonner. Bonne vidéo. Hey, salut, je vous présente un glitch d'argent de duplication de voiture, toujours fonctionnel. Donc pour cela, il vous faudra une voiture dans la ville, sans de customisation pour l'instant. Donc en premier temps, il y aura une manipulation à faire pour voir si on peut faire la duplication ou pas. Donc il faudra casser la portière gauche. Donc pour cela, il faudra descendre du véhicule, remonter dedans pour la portière reste ouverte et la défoncer tout simplement. Une fois c'est fait, il faudra aller dans le rond bleu, juste à côté. Bien sûr, il vous faut un garage. Donc voilà, comme ça. Après, vous rentrez dans votre garage. Et là, vous pouvez le faire maintenant, vous appelez Simeon, vous lui demandez une activité. Hello, this is Simeon. How can I help? Of course. Après, vous ressortez du garage. Et là, comme vous pouvez voir, la portière, elle n'est pas apparue. Logiquement, la portière devrait réapparaître. Donc si ça vous le fait, bah vous réessayez une autre fois, vous revenez dans votre garage et vous ressortez de votre garage. Et là, la portière devrait se mettre. Donc comme vous pouvez voir, bon là ça marche pas, mais c'est normal parce que j'avais essayé avant, la portière a été revenue. Donc j'avais essayé avant pour voir si la duplication marchait. Et donc elle marche sur cette session. Donc il faudra un maximum de joueurs dans la session, c'est-à-dire 25. Moins de 10, le glitch ne fonctionnera pas. Là vous voyez, la portière apparaît pas, mais c'est normal. La première fois, elle a été réapparue. Donc c'est comme ça que j'ai pu voir que le glitch fonctionnait. Donc une fois que votre portière a apparu, donc vous allez au centre custom. Donc là, vous esquintez la voiture, juste un petit coup dans le mur, vous rentrez dans le garage custom. Et en premier temps, là, vous faites rien. Vous appuyez sur rond pour quitter et croix. Là, vous ressortez du garage custom. Vous faites un demi-tour. Il faut trouver pile poil le centre où la porte, elle s'ouvre et elle se ferme du garage. Donc là, on est bien. Après, vous appelez Simeon. Donc, vous lancez l'activité Simeon. Que vous avez appelé avant. Donc là, ça charge. Après, vous quittez tout simplement. Après, vous courez, vous appuyez sur triangle pour monter dans le véhicule et tout de suite, vous allez dans le garage. Une fois c'est fait. Donc là, maintenant, vous réparez votre véhicule et vous changez juste la peinture. Voilà. Donc là, vous ressortez et comme par magie, la voiture va se dupliquer. Voilà. On la voit au fond. Donc là, pour l'instant, c'est les voitures d'origine. Là, vous voyez, ça marchait. Donc maintenant, on va pouvoir la customiser à fond. Donc vous prenez toujours l'original. Vous allez dans le garage et là, c'est parti. Ouais, le blindage à fond, tout à fond, sauf on touche pas la peinture et les plaques, ça sert à rien de les mettre. Vous changez pas les plaques et la peinture. Donc ça marche pour la duplication,
Ça marche pour les Ubermatch. Là, vous les revendez à peu près 200 000. Et celle-là, je vais faire une vente. Vous verrez à peu près le prix, mais je crois que c'est 114 000 à la vente. Donc là, vous mettez tout à fond. Vous mettez des néons, ça pète. Voilà, là elle est faite à fond. Les jambes bien sûr tout au plus cher. Voilà, vraiment tout au plus cher. Et là bah, vous retapez pour escarter la voiture. Vous rentrez dans le centre custom. Je vous avais dit au début, bah là on fait rien. On appuie sur rond et croix pour quitter. Vous ressortez du véhicule. Vous ressortez du garage, pardon. Vous faites demi-tour, vous trouvez le centre pile-poil où la porte, elle s'ouvre, elle se referme, du garage, voilà. Après vous appelez Simeone. Vous quittez. Il faut courir, vous monter dans la voiture et vous rentrez dans le garage. What can the best mechanic in LS do for you? Elle vous répare le véhicule. Et là, vous changez juste sa peinture. Couleur principale. Soit métallisé ou classique, ça marche. Soit vous mettez la peinture moins chère, mais à chaque fois, il faut changer la peinture, sinon ça fonctionne pas. Là, vous ressortez. Et encore, comme par magie, la duplication. Là, vous la voyez, elle est au fond. Donc là, vous tapez à gauche. Faut bien taper la voiture, hein, sinon elle peut disparaître. Là, vous montez dans la dupliquée. Voilà, c'est très important de mettre une balise. Comme ça, elle est balisée. Sinon, elle n'est pas sauvegardée. Et si vous voulez mettre une assurance, vous pouvez mettre une assurance, mais c'est pas obligatoire. Là, vous mettez la valise. Après, vous la claquez dans le fond et puis rebelote. Vous recommencez jusqu'à temps que vos garages soient plats. Moi, jamais toujours là. Et là, une fois la première est faite, ça va tout seul. Ça s'enchaîne d'une vitesse. Ah, vu que vous l'avez tapé avant, pas besoin de la retaper. Elle est déjà escartée. Vous rentrez dans le garage custom. Vous appuyez sur rond et croix. Vous faites votre demi-tour. Après, vous appelez Simeone pour lancer l'activité. Là, vous quittez rond et croix. Là, vous courez vite, vous appuyez sur triangle pour monter dans la voiture et vous rentrez dans le garage. Et là, comme je vous ai dit, vous réparez votre véhicule et vous changez la peinture. C'est toujours le même truc à faire. Et là, boum, deuxième duplication. Donc vous rentrez dans le mur. Toujours la même chose.
Et là, c'est parti pour une balise. What miracle did you want me to perform? Et là, pas de panique. Vous avez mis une balise sur l'autre véhicule a disparu bien sûr. Il est parti où? Il est parti dans votre garage. Voilà, c'est la deuxième. Donc quand on fera la troisième, celle-là partira directement dans le garage pour la baliser. Si on ne l'aurait pas balisé, elle serait perdue. Donc là, pareil, vous rentrez dans le garage, vous faites rien, vous quittez. Vous faites votre demi-tour, vous trouvez le centre. Là, bien sûr, il faut avancer, hein, je n'ai pas précisé. Là, vous trouvez pile poil l'ouverture et la fermeture. Là, vous accélérez et tout de suite, vous lancez la mission Simeone. Regardez. Là, c'est bon. Là, vous vous préparez, vous accélérez un tout petit peu et hop, vous vous lancez. Il n'y a pas plus simple. Et après, vous pouvez vendre direct l'autre voiture si vous voulez pas mettre de balise, vous pouvez. Mais celle-là, vous pouvez plus rien faire. Après, vous pouvez plus mettre de balise à l'original. Elle est foutue, quoi. Vous pouvez même pas la vendre. Vous en foutez, vous en avez soit fait 10, 20 ou 5. Suffit largement. Donc voilà. C'est un glitch très simple à faire. What miracle did you want me to perform?